Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker. Il y avait également défilé à Uvira dans la province du Sud Kivu. Le syndicaliste Puna a déploré le fait que le budget alloué à l'enseignement en République démocratique du Congo n'est pas suffisant. Les assemblées provinciales ont élu les sénateurs et les gouverneurs de leurs provinces respectives. À Kinshasa, Daniel Bumba a été élu. Les Kinois attendent de lui des réponses à l'insalubrité, à l'insécurité avec le phénomène Kuluna, l'eau et l'électricité. À suivre dans ce journal. En Bandaka, dans la province de l'Équateur, l'élection du gouverneur et des sénateurs n'a pas eu lieu. La population était en colère. Elle est allée manifester à l'Assemblée provinciale son mécontentement. Merci d'être avec nous pour cette édition du journal. Très heureux de vous retrouver pour vous le présenter. Eh bien, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, est en séjour à Paris, en France. Il a été reçu par son homologue français Emmanuel Macron ce mardi. Félix-Antoine Tshisekedi et le président français qui ont eu un tête-à-tête à l'issue duquel un point de presse commun a été animé. Eh bien, la France ordonne, est en train d'exhorter le Rwanda à cesser tout soutien aux rebelles du M23 et à retirer ses troupes du sol de la République démocratique du Congo. C'est entre autres ce qui ressort de ce point de presse commun entre Félix Tshisekedi et Emmanuel Macron. Rosie Moutella y revient. Monsieur le Président. Tête à tête entre Félix-Antoine Tshisekedi, président de la République démocratique du Congo, et Emmanuel Macron, président de la France, ce mardi à l'Élysée. En toile de fond, la situation sécuritaire dans l'est de la République démocratique du Congo, agressée par le Rwanda via le M23. Emmanuel Macron a pour ce faire exhorté le Rwanda à cesser tout soutien aux rebelles du M23 et à retirer ses forces de la République démocratique du Congo. Dans ce contexte particulièrement douloureux, je veux évidemment réexprimer notre solidarité avec le peuple congolais et rappeler ici la position de la France. D'abord, la France ne transigera jamais sur l'intégrité territoriale et la souveraineté de la RDC. Ensuite, nous n'avons aucune difficulté à pointer les responsabilités. Je vais le dire avec la plus grande clarté possible, la France condamne fermement l'action de tous les groupes armés et particulièrement l'offensive du M23 qui doit cesser les combats et se retirer de l'ensemble des territoires qu'il occupe. Le Rwanda, je l'ai redit au président Kagame dans un échange récent, doit cesser son soutien au M23 et retirer ses forces du territoire congolais. Le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi a pour sa part salué l'engagement de la France aux côtés du peuple congolais pour trouver une issue au conflit qui ravage l'est de la République démocratique du Congo. Ce qui a le plus retenu mon attention, c'est l'engagement encore plus grand de la France aux côtés du peuple congolais, surtout dans ce que nous subissons comme guerre injuste qui nous est imposée par le Rwanda, qui soutient le M23. Et je pense que, avec les discussions qu'on a eues aujourd'hui, une lueur d'espoir pointe à l'horizon. On peut compter, je peux le dire, c'est un risque que je prends, mais je l'assume. On peut dire qu'on peut compter sur la France qui sera à nos côtés pour trouver cette paix.
Bien avant le tête-à-tête Tshisekedi-Macron, le président Félix-Antoine Tshisekedi et son épouse Denise Nyerere Tshisekedi, bien vêtus du pagnoax Visco, sans doute confectionné en République démocratique du Congo, ont été chaleureusement accueillis par le couple Macron. Les deux couples présidentiels, visiblement très proches, ont posé devant les photographes. Et en retournant en République démocratique du Congo, dans la province du Nord Kivu, où le nouveau commandant du secteur opérationnel Sokola 1 Grand Nord est arrivé ce mardi 30 avril 2024 en ville de Beni, le général-major Bruno Mandevou a été accueilli à l'aéroport de Mavivi par les officiers supérieurs et subalternes du secteur opérationnel Sokola 1 Grand Nord. Il a été briefé sur la situation sécuritaire de la région de Beni, caractérisée par la traque des terroristes islamistes MTM ISCAP, a renseigné le capitaine Anthony Mwalushai, porte-parole sortant du secteur opérationnel. Le général-major Bruno Mandevou a été commandant chargé des opérations et renseignements à la 11e région militaire avant sa nomination au poste de commandant du secteur opérationnel Sokola 1 Grand Nord à Beni. Il remplace le général-major Kasongo Maloba Robert, appelé à d'autres fonctions à l'état-major général à Kinshasa, la capitale. Et retour justement à Kinshasa, le siège des institutions, pour dire qu'à l'Assemblée nationale, l'élection des membres du bureau définitif n'est plus pour le 8 mai 2024 comme cela avait été initialement prévu. Eh bien, par un communiqué signé le 29 avril 2024, lundi donc, le premier secrétaire du bureau provisoire de l'Assemblée nationale renseigne que le début du dépôt des candidatures pour les différents postes du bureau définitif initialement prévu ce mardi 30 avril 2024 est reporté à une date ultérieure qui sera communiquée dans le meilleur délai. Raison évoquée, des contraintes d'ordre logistique. Bon nombre de députés nationaux se trouveraient encore en province dans le cadre des élections des gouverneurs et des sénateurs. À propos justement des élections des gouverneurs et des sénateurs, la province de l'Équateur n'a pas connu ces élections contrairement à d'autres provinces. Pourquoi ? Parce que l'Assemblée provinciale, le bureau définitif, n'a pas encore commencé à travailler. Voilà pourquoi la population, la journée de lundi, a accompagné les députés provinciaux pour que ne fût-ce que le bureau définitif puisse se mettre au travail. Cette volonté de la population s'est retrouvée confrontée aux forces de l'ordre qui ont dispersé tout le monde. Depuis Mbandaka, Delphine Bambi. À l'Équateur, échauffouré ce lundi matin à Mbandaka, devant le siège de l'Assemblée provinciale, où les forces de l'ordre ont croisé le bras de fer avec la population venue accompagner les députés provinciaux et assister à la reprise effective des habités au sein de la première institution politique de la province, suspendue depuis quelques semaines par les autorités nationales. À la base, les éléments de la peine commis à la sécurisation de ce lieu ne voulaient voir que la présence des députés provinciaux seulement. Alors que la population en colère du report de la date des élections de sénateurs et de gouverneurs de province pour le 7 mai 2024 tenait s'est consolé, ne fût-ce qu'à inciter à la reprise des activités. À ce nom comme chef de l'exécutif provincial à Kinshasa.
eh bien, les Quinois fondent sur lui beaucoup d'espoir pour répondre à leurs préoccupations. Les attentes des Quinois sont entre autres les routes dégradées, les routes même qui manquent, l'eau, l'électricité et surtout l'insalubrité. Les Quinois qui se sont lâchés au micro de Ruth Moussana. J'invite le nouveau gouverneur de prendre les choses en main et pour assainir Kinshasa, parce que Kinshasa est très sale. Et quand on dit Kinshasa est très sale, ce n'est pas seulement la Gombe, c'est toute Kinshasa. Toutes les communes, ils doivent s'organiser à mettre beaucoup d'argent, à mettre des services dans chaque commune, dans chaque quartier, pour évacuer des salités et mettre la propreté partout. C'est pas seulement à Gombe, et puis ils doivent aussi avoir les systèmes de civisme, parler aux gens, avoir les systèmes de poubelles partout, jeter toujours des choses dans les poubelles et à placer des poubelles partout à Kinshasa. Ce n'est pas seulement à Gombe, parce que Kinshasa n'est pas seulement à Gombe. On commence à voir des gens s'occuper seulement de la Gombe et non de d'autres communes. Or, ce n'est pas normal. Je l'invite pour qu'on puisse construire des routes qui sont un peu détruites un peu partout. Il y avait l'autre qui était la fois passée ici, Kinguta, qui disait que cette ville ne va pas changer. S'il peut faire des exploits, là on va toujours applaudir. Je n'attends rien de lui parce que je sais comment ça fonctionne. Daniel Mbumba, il faut raisonner parce que premièrement, autant la capitale, il y a RDC, il y a Kinshasa. Kinshasa, il faut un miroir partout, il faut un monde à faire comprendre. Tout aussi, il faut travailler. Tu as une vie, les amis. Moi, je suis dans le monde, je suis dans le travail, je suis souffrir, je suis dans le monde, je suis dans le monde. C'est avec Eddie Ieli que Daniel Mbumba devra composer Eddie Ieli comme vice-gouverneur pour gérer la ville-province de Kinshasa. Eh bien, plusieurs défis les attendent. Vous avez entendu les attentes de la population quinoise, mais parmi les défis, il y a encore et surtout l'insécurité avec le phénomène Kuluna, l'absence de l'autorité de l'État dans certains secteurs tels que le transport où le prix de la course n'est pas unique. Tout cela à retrouver dans ce papier sur les défis qui attendent l'équipe, la nouvelle équipe qui va diriger la ville-province de Kinshasa, papier signé Déborah Mouzou. Kinshasa, mégapole de plus de 17 millions d'habitants, Kinshasa, siège des institutions du pays, Kinshasa, cependant, régorge plusieurs maux. De l'insalubrité en passant par l'instabilité du prix de transport en commun, pour chuter à l'insécurité avec le phénomène Kuluna, le nouveau gouverneur de la ville, Daniel Mbumba, n'aura pas un séjour au gouvernorat de la ville de tout repos. À Kinshasa, il est devenu difficile de circuler sur un tronçon sans rencontrer des poubelles, des arrêts des bus baptisés en solo de Lingala qui se traduit par odeur. La puanteur que dégage la ville, les chaussées remplies de sable, disparition totale de cantonniers qui autrefois balayaient les routes. Kinshasa est depuis un moment devenu orphelin. Orphelin de par l'insécurité qui au jour le jour place les Quinois dans la peur et le prive de sa liberté à la limite. Avec le banditisme urbain teinté par le phénomène Kuluna qui a commencé tel un grain de sable dans l'œil, dérange à ce jour plus d'une personne, même dans le commune et quartier qui autrefois était réputé paisible. De là, il faut relever encore cette épineuse question de la non-fixation du prix de transport en commun. Dans les différents tronçons, le conducteur de taxi, taxibus et même des mototaxis qui fixent le prix de course comme bon leur semble, jusqu'à doubler, voire tripler le coût d'un trajet qui au départ fixé par l'hôtel de ville à 1000 francs. Les cas sont légion. En tout cas, le nouveau gouverneur de la ville de Kinshasa, Daniel Mbumba, ne devra ménager d'aucun effort pour que Kinshasa redevienne une ville où règne l'État et l'ordre, la propriété et la sécurité pour tous. Plusieurs sont les défis à relever, le Congolais en général, voire le Quinois en particulier, attendent de binôme Daniel Mbumba et Ieli Moulangi une bonne gestion, et cela à tout le niveau. Et dans le
province de Tanganyika, c'est Christian Kitungwa qui a été élu gouverneur avec 17 voix, élection organisée à Kalemie, à l'Assemblée provinciale. Rachel Massengwa effectuait le déplacement de Kalemie. Tel un peuple soulagé et libéré de la servitude, le vœu de voir leur leader naturel, Christian Kitungwa Muteba, élu gouverneur de la province de Tanganyika. De milliers de personnes se sont mobilisées comme un seul homme aux côtés du nouveau patron de la province de Tanganyika. À quelques heures de la publication des résultats de l'élection des gouverneurs, sans surprise, ils sont ce dernier à la tête de cette province. Après sa victoire électorale écrasante avec 17 voix sur les 25 députés votants de l'Assemblée provinciale, en passant par le boulevard Lumumba, à pied jusqu'à son domicile, scandant des chants et cris de victoire, le gouverneur élu de Tanganyika s'est adressé à toute la population en exprimant sa profonde gratitude au président de la République, chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi, et à la première dame, Denise Nyakiero, au premier ministre Samalou Kondé, élu sénateur dans le Haut-Katanga, et à son mentor, qui n'est autre que l'honorable Danny Banza Maloba, qui lui aussi est élu sénateur dans la province de Olomami. Pacha kumupikia santi President Tshisekedi. President Tshisekedi, Bati Baton, alisema uleko na nguvu ya kudevelope Tanganyika ende apespire awe guvernera. Anakatala vile vitu ya zamani ya kusema ni fulani. Ibanasemaka derrière un grand homme il y a une grande. C'est ici l'occasion pour moi de remercier Maman Denise. Nous nous féliciter Samalou Kondé parce que n'a rien l'air par une beauté à la fois sénateur. Minapenda, vous nous piquez Mikono, Maître Wang, vous la moutoua. Maître Wang, vous la moutoua. Nani, à part la discussion de Nani. Le vice-gouverneur Kabwemwe Hulongo Isidore a quant à lui réitéré sa ferme volonté et détermination de servir la province de Tanganyika aux côtés du chef de l'exécutif provincial dans la loyauté afin de garantir un climat propice pour le développement de la province de Tanganyika. Pour rappel, 5 candidats étaient en lice à ce poste et au terme d'une élection démocratique et transparente qui s'est déroulée dans un climat apaisé, l'honorable Christian Kitungwa Muteba a bénéficié de la confiance sans appel de la majorité de 17 députés sur 25 votants et succède à Judine Gungua à la tête de cette jeune province. Rachel Massengo et Rosie Mutela qui signent ce papier de l'élection du gouverneur de la province du Tanganyika. Dans la province du Congo central, Grâce Bilolo Kwanga est le nouveau gouverneur qui a été élu à l'issue de l'élection organisée lundi 29 avril 2024. Il a obtenu 23 voix sur 40. Il battait ainsi son challenger direct qui est le gouverneur sortant Guy Mbadou qui a obtenu 16 voix. Pour le compte de la province du Congo central, seront au Sénat 4 personnes, Babi, Vangou, 7 voix, Pascal Kindwelu, 6 voix, Nefertiti Boudianza, 6 voix, et Didier Bibimbu, 5 voix. Jean-Claude Kidoumou depuis Matadi. Grâce Bilolo Nkwanga, qui s'est accaparé la part du lion à l'élection de gouverneur et vice-gouverneur de la province du Congo central. Grâce Bilolo a raflé 28 voix sur 40 au détriment de son challenger direct, le gouverneur sortant Guy Bandundu Ngidi qui a obtenu 16 voix sur 40. Prosper Ntelantambikila, le colissier de Grâce Bilolo, assumera la fonction du vice-gouverneur. Les impressions sont très bonnes. D'abord, en premier lieu, je vais remercier le chef de l'État, celui qui avait organisé les élections le 20 décembre 2023. Et à la fin, je dois remercier les grands électeurs qui se sont comportés à de grandes personnalités. Vraiment, c'est à eux vraiment la victoire. Sur les 13 candidats qui étaient en lice, 3 seulement ont pu obtenir 2 voix. Grâce Bilolo, 23 voix, Guy Bandundu Ngidi, 16 voix et Robert Nyondo, 1 voix. Au Sénat, ils étaient au total 60 candidats pour disputer les 4 sièges. Babé Vango a obtenu
Kinduelo, 6 voix sur 40. Nefertiti Ngudianza, 6 voix sur 40. Et Didier Boudimbo, 5 voix sur 40. L'élection du Sénat s'est faite par scrutin proportionnel avec liste ouverte et une seule voix préférentielle. La répartition des sièges s'est faite selon la règle du plus fort reste. Pour la province du Congo central, les coefficients électoraux et de 10 voix pour l'attribution des sièges. L'élection des gouverneurs toujours dans la province du Kasaï oriental. C'est Jean-Paul Bouyeboa Kapo qui a été élu à la tête de cette province. Eh bien, le nouveau gouverneur a plusieurs défis qui l'attendent, notamment lutter contre l'insécurité alimentaire, estime Ernest Chibangu. Plusieurs Estes kassaïens se sont également prononcés sur leurs attentes après l'élection de Jean-Claude Bouyeboa à la tête de la province. Au micro de Victor Chimanga. D'abord, nous saluons l'élection de Jean-Claude Bouyeboa Kapo au poste de gouverneur du Kasaï oriental. Mais nous pensons aussi que les défis à relever sont énormes parce qu'il ne faudrait pas que l'on perde de vue. Constitutionnellement, ce mandat est le dernier pour le président de la République. Donc, le nouveau gouverneur doit faire de tout son mieux pour que ces mandats ne soient pas un fiasco au Kasaï oriental. C'est le temps que tous les notables du Kasaï oriental, députés nationaux, professeurs, sénateurs, qu'on se mette ensemble parce que c'est le dernier mandat de chef électoral. On n'a pas pouvoir le faire. Il ne faut pas qu'en 2022, nous puissions répondre devant le tribunal de l'histoire. C'est le moment où nous pouvons dire c'est maintenant ou jamais que tous nous puissions travailler pour l'intérêt de cette province qui est notre tribunal. Qu'il pense aux besoins fondamentaux, aux besoins primaires de la province, qu'il s'attache à ça et qu'il se fasse entourer de personnes compétentes. Là aussi, il y a un problème. Plus d'une fois, on s'entoure de gens qui sont des recommandations. Peut-être sans formation requise, peut-être sans expérience qu'il faut, mais déjà comme ça, quand ils viennent, ils ne rendront pas la tâche facile. Et ce qui est aussi à éviter pour le gouverneur, c'est que dans la formation du gouvernement, dans la formation de son cabinet, qu'il tienne compte des compétences. Nous sommes dans la province du Kasaï oriental. On y reste avec cette nouvelle page dans ce journal. Eh bien, ce mardi 30 avril 2024, toute la République démocratique du Congo a célébré la journée nationale de l'enseignement. Eh bien, dans la province du Kasaï oriental, les élèves ainsi que les responsables d'école se sont tous réunis. Ils ont défilé sur le boulevard Mosé-Laurent Désiré Kabila pour marquer d'un trait particulier cette journée du 30 avril, journée nationale de l'enseignement en République démocratique du Congo. Victoire Tilumba, une fois de plus. La journée nationale des enseignements célébrée le 30 avril de chaque année en République démocratique du Congo n'est pas passée inaperçue au Kasaï oriental. Cette journée est honorée dans cette partie du pays sous le thème « La valorisation de la fonction enseignante, gage d'une éducation de qualité ». Un défilé s'est tenu sur le boulevard Laurent Désiré Kabila, où plusieurs écoles ont défilé devant le gouverneur par intérim du Kasaï oriental, Ananias Mouzadi Kangondé, les autorités militaires, politico-administratives et scolaires, les directeurs de l'EPST Kasaï oriental 1. Symphorien Kapita a, dans son discours de circonstances, démontré que le choix de ces termes tombe à point nommé pendant que le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, est en train de lutter pour la qualité de l'enseignement. Nul ne sans ignorer que depuis la prise du pouvoir du chef de l'État, ce métier noble d'enseignant, considéré jadis comme étant la cinquième roue du véhicule, a été mis en avant-plan par la création de plusieurs réformes visant l'amélioration de la qualité de l'enseignement. De leur part, les enseignants déplorent les salaires qui ne leur permettent pas de réduire les deux bouts du mot. L'enseignant touche les salaires qui ne peuvent pas réduire les deux bouts du mot. Vous voyez d'abord, et entre-temps, nous soufflons notre salaire, nous les recevons avec une qualité. Journée nationale de l'enseignement en République démocratique du Congo, c'est 30 avril 2024 dans la sous-division de Ouvira 1 de l'EPST, enseignement primaire secondaire technique Ouvira 1. Tous les élèves ainsi que les enseignants et les administratifs de tous les réseaux
des écoles qui se trouvent à Uvira, catholiques, protestants, ainsi que le Kimbanguiste, et même les écoles officielles se sont retrouvées autour d'un défilé organisé au stade de l'unité de la ville de Uvira. C'était en présence du maire adjoint de la ville, Jean-Bermans Loulacha, notre correspondant, était également là. Pendant au moins une heure, les élèves accompagnés par leurs enseignants venus des différentes écoles primaires, secondaires, publiques et privées, et les agents de la sous-division de l'EPST Uvira 1 ont défilé devant le maire adjoint d'Uvira, à ses côtés dans la tribune officielle du stade de l'unité, quelques autorités de l'EPST. Par la même occasion, le maire adjoint d'Uvira a remis aux écoles qui ont remporté les matchs finales du championnat interscolaire 2024, les trophées ainsi que de brevets de participation. Il s'agit de l'Institut Muungano qui a bâti en finale lundi 29 avril, l'Institut Mwanga et de l'école primaire de Joseph qui a gagné l'école primaire Tanganyika. Tous les discours prononcés pour la circonstance ont loué les efforts fournis par le président de la République et chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo pour l'amélioration de la qualité de l'enseignement, malgré qu'un long chemin reste à parcourir, signalons qu'une minute de silence en mémoire de tous les éducateurs décédés au cours de cette année a été observée cet avant-midi au stade de l'unité d'Uvira. Jean-Bertrand Seroulacha, Uvira pour Digital Congo. Les célébrations de la Journée nationale de l'enseignement en République démocratique du Congo, quel est l'état des lieux de l'enseignement en RDC? D'après certains enseignants, le niveau est en train de baisser pour cause. Le budget alloué au secteur de l'enseignement est très insuffisant. Les enseignants veulent voir leurs conditions de vie être améliorées. Cela va de soi. La qualité de l'enseignement suivra également le cours. Amina Mouacha, dans ce reportage, a pu interviewer le syndicaliste Pouna. C'est sous le thème « La valorisation de la fonction enseignante, gage d'une éducation de qualité en RDC » qu'est célébrée ce 30 avril la Journée nationale de l'enseignement. Jadis compté parmi les niveaux les plus élevés en Afrique, voire au monde, le niveau de l'enseignement en RDC est à son plus bas niveau ces jours, au point que les écoles congolaises ne figurent même plus parmi les 100 meilleures écoles cotées par l'UNESCO. Pour le porte-parole de la synergie des syndicats des enseignants de la RDC, Sinecat, la faute incombe à l'État qui n'alloue pas suffisamment de moyens à l'enseignement. Lorsque vous n'avez pas un budget conséquent, eh bien vous ne saurez pas prendre correctement en charge ceux qui travaillent. Aujourd'hui, les enseignants n'ont plus le cœur à l'ouvrage, ils vivent dans la précarité. Je crois que nous avons déjà interpellé le gouvernement pour qu'on élabore une politique salariale, qu'on convoque les assises sur la politique salariale qui doit civiliser les enseignants, mais aussi tous les agents et fonctionnaires de l'État. Donc il y a un problème de budget, un problème de moyens qui fait que le gouvernement ne soit pas en mesure de pouvoir prendre en charge correctement l'enseignant. Rehausser les niveaux de l'enseignement nécessite tout d'abord l'amélioration des conditions socio-professionnelles des enseignants. Pour relever les niveaux de l'enseignement, il faut seulement bien rémunérer l'enseignant. Vous savez les conditions dans lesquelles l'enseignant travaille. L'enseignant congolais travaille dans des conditions précaires, alors qu'il fait un grand travail, il rend des services loyaux. Alors aujourd'hui, il est vraiment payé en monnaie de singe. Et c'est pourquoi pour avoir la qualité de l'enseignement, il faudrait que l'enseignant soit bien payé afin que notre jeunesse et notre postérité puissent vraiment bénéficier d'une éducation de qualité et puissent être compétitifs tant sur le plan national qu'international. Je suis maintenant en sixième année primaire. J'ai fait plus de 40 ans dans cette classe. Alors, la vie est précaire pourquoi? Les salaires qu'on nous paye, on nous donne un taux forfaitaire, comme on paye le courant forfaitairement. Un huissier touche, un travailleur à l'école touche 3 000 francs, 300 000, 360 000, moi aussi je touche 360 000. Les directeurs aussi touchent la même chose, il n'y a pas de différence. Celui qui vient de commencer le travail aujourd'hui touche le même montant que moi qui ai fait 47 ans. La vie est difficile.
Ces enseignants disent ne plus croire aux promesses de ces gouvernements, encore moins du ministre de l'EPST, Tony Mwamba. Ces enseignants demandent plutôt à la nouvelle première ministre, Judith Suminwa, d'allouer un budget conséquent dédié à l'enseignement. Et dans le cadre toujours de la célébration de la Journée nationale de l'enseignement en République démocratique du Congo, le 30 avril 2024, 30 avril comme tous les ans, eh bien, l'équipe de Digital Congo est allée à la rencontre d'une professionnelle de la craie blanche, Claudine Louyeye, c'est son nom, elle est porteuse d'une longue carrière, une trentaine d'années d'expérience dans l'enseignement en RDC. Claudine Louyeye qui déplore tout de même le traitement que l'État réserve à l'enseignant congolais. Bénédicte Ndembe. Bonjour madame. Enseignante à Jewel School International of Kinshasa et chef des travaux à l'Institut supérieur pédagogique et technique de Kinshasa, Claudine Louyeye est une passionnée de l'enseignement dès le bas âge. De quoi elle fait son quotidien, la cinquantaine révolue explique. Je me réveille à 5h50. Je prends 10 minutes pour la prière. Et à partir de 6h, je fais ma toilette. Je prends le petit déjeuner. À 7h25 au plus tard, je suis déjà en route pour l'école. Son amour pour la craie blanche est indéniable au regard de plusieurs années qu'elle a pu consacrer à la profession enseignante. Elle en justifie de plus de 30 ans actuellement. Sa plus grande déception dans ce domaine, c'est le traitement disproportionné et dégradant réservé à l'enseignant congolais. L'enseignant congolais, c'est la personne la plus négligée. Il forme des médecins, il forme des avocats, mais lui-même il n'est pas bien rémunéré. Ce que je gagne à l'ISPT, ça ne pourra pas me permettre de nouer les deux bouts de moi. Je demanderai au président de la République de penser aux conditions de l'enseignant congolais. S'il peut multiplier le salaire de l'enseignant d'aujourd'hui fois 3, il va faire face à toutes les difficultés qu'il rencontre aujourd'hui. En ce jour où l'RDC célèbre la journée de l'enseignement, Claudine lui estime qu'il faut non seulement améliorer le salaire des enseignants, mais aussi les mettre dans des bonnes conditions de travail, afin de leur permettre de donner le meilleur d'eux-mêmes, en vue de promouvoir une éducation de qualité. Et voilà, c'est avec cette célébration de la Journée nationale de l'enseignement que nous allons clôturer cette édition du journal. Bonne fête à tous les enseignants de la République démocratique du Congo. Bonne fête également du travail à tous les travailleurs pour ce mercredi 1er mai 2024. Au revoir. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker.